fais-le avec le Seigneur. Mais tout le monde connaît que ça, son état très dangereux, son état de mort que lui. Et je vais peut-être lire deux ou trois versets là, il m'a bon, deux ou trois explications avec ça. Mais ça inquiète l'homme ou état comme ça prend place dans la vie de quelqu'un. Son influence moderne. Il n'y a pas la vie dans le bon Dieu. Et il faut nous qu'un bon alerte. Aucun ne doit pas apprendre son abdia, mais il faut nous dire quand même. On ne doit pas occuper. Mais nous dire quand même. Ceux qui ont des cœurs pour comprendre, qu'ils comprennent. Ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Ceux qui ont des yeux pour voir, qu'ils voient. Et que l'Esprit dit à l'Église. La Bible a plusieurs façons, et plusieurs termes pour lui. Mais nous voulons décrire l'état pour Edo Well. Mais dans ce qui est perdu dans ça, lorsqu'on commence à perdre la sensibilité spirituelle, ça, la Bible dit au vin en Dieu aussi. C'est terme ça l'utilise. C'est normal. Lors perdu sensibilité spirituelle, ou c'est normal, vos cœurs viennent Dieu. Comment le viennent Dieu? Il viennent Dieu parce que l'instruction que tu as fait sens pour ne pas faire sens pour encore. Ou bien, ou tu as la chambre ressuscité tout. Ou tu as vivre dans un état de mort complet. Ou la chambre a un rapport avec la vie dans bon Dieu. Et faut me dire que c'est une pire malédiction qui est déjà mort au monde. Lorsque tu as déjà un contact avec la terre, ou exister, mais bon Dieu, il y a une miséricorde pour vous. Il faut gagner une sensibilité spirituelle. En d'autres termes, la vie dans bon Dieu installée dans la vie par vous. Jean le dit dans Hébreux chapitre 6 là. Il est impossible pour ceux qui ont été une foi éclairée, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. Et en contact avec les paroles du siècle à venir, en fait, la puissance du siècle à venir, avec les bonnes paroles de Dieu. Mais la Bible dit qu'ils sont tombés. C'est une grosse malédiction capable d'arriver au monde lorsque tu es en contact avec l'Esprit de Dieu, conscience où tu es éveillé dans mon Dieu, et puis on a perdu la vie, ticasse pas ticasse. La Bible et les livres ont état de maladie. Finalement, ils sont état de mort. Et m'a dit ça avec un avertissement. Que personne moun pa ta kite ou descend nan bafon la mort. Nan zone côté pour enchaîner avec ténèbres, il y a les chaînes des ténèbres. Chaînes des ténèbres, c'est qu'on façon dans la Bible. C'est l'arrivée dans une phase ignorance avec insensibilité, manqué ou bien absence de volonté, marée intelligence ou pas en tout cas faire rien comme effort spirituel encore. Ça, c'est en chaîne que lui. Ils sont état de prison, de esclavage, côté que ou pas sans tout qu'a fait effort encore, ou pas senti ou qu'a loué bon Dieu, fait ça bon Dieu dit, ou pas sans tout qu'a remé moun dans bon Dieu, ou bon bagage spirituel ou pas sans tout qu'a fait encore, ou tomber dans la mort. Nous voulons avertir. La Bible, dans ce sens, dit prenez garde. C'est ça que je fais là. Maman, donc vous faites attention parce que l'état, ça, il est en couillon. Il enveloppe. Il a l'Esprit de Dieu avec parole. Li. Instruction que nous baroudons dans l'église, réveillez-vous de la mort. C'est comme ça le monde a entré dans un trou. La mort a porté l'aller.
De l'eau a poté au descend. Joudin sal a poté tout le monde lagué dans la mer morte. Mais pauvre bon Dieu besoin réveiller. Qui ça nous dit? Veillez tête au bourre. Gardez son ressenti. Gardez les gens penser. Gardez les gens parler. Gardez les gens agir. Gardez bagawa perdu force pour faire. Courage ou à baisser là-dedans. Ou pas senti trop inspiration pour faire des bagages spirituels. Son état de mort. L'homme n'a pas senti qu'on doit louer mon Dieu. Son état de mort. Ou malade. L'homme n'a pas senti qu'on a une miséricorde pour Saint bon Dieu. Ou perdu sensibilité spirituelle ça. Son état de mort que lui. Ou lui commencer avec la maladie. Leur loger péché dans le cœur. Recevoir, lui demeurer dans vous. L'Esprit de Dieu vient bagarre espace pour le travail encore. Son état de mort que lui. Et les choses de la vie, les soucis de ce siècle, séduction des richesses, ou l'orgueil de la vie, yon maré ou. Il a enveloppé son état de mort. Que lui. Et les choses naturelles viennent plus d'importance pour que des choses spirituelles. Vous mettez pression sur vous, influencez vous, vous êtes avant. Vous pas senti qu'on fait des mouvements pour monter plus haut. Son état de mort. Que lui. Zèle ou commence à couper. Vous venez perdre le zèle que donne l'évangile de paix. Son état de mort. Que lui. Et ça fait, je dis, à une trompette qui a sonné. Elle dit, sortez du lieu d'elle, mon peuple. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Non seulement après le sauti là-dedans, dans le système, non, mais dans l'esprit où tout faut sauter. Parce que nous, chaque, dans la condition de mort que nous avons en Adam, nous sommes tombés pour nous. Pour qu'on doit envelopper dans nous, qu'on est là, il mourit, étouffé, jusqu'à ce que le baguette ait l'opportunité de saluer encore. Merci Seigneur. Maintenant, je voulais sonner en trompette. En trompette de réveil. Dans n'importe quel degré de sommeil. Sommeil est un degré. Que vous taillez pour réveiller dans le nom de Jésus. Amen. Moi, je dis pour réveiller dans le nom de Jésus. Yeah. Toujours nous délivrons, c'est ça, non? Matthieu 24, là. Et il y a une référence dans Genèse 7. Il a montré Jésus t'a parlé. Il t'a expliqué, mon yo, comment que yo doué. Pas doué même genre avec mon sa yo qui te dans ton ouye. La Bible dit, yo t'a mangé, boué. Marier et marier leur enfant. En d'autres termes, les plaisirs de la vie. Bon état, peuple bon Dieu. Qui t'aime dire ça là? Souhaitez que ça aide. Bon état, leur marié avec les choses naturelles. Quelles soient ça liées dans le naturel. Monde ou bien objet. Leur préoccupé. Occuper l'esprit ou à l'extrême. Ou ils viennent en phase côté que. Ou Mara avec toi. Quel que soit sa lire. Li provoquer sommeil la car. Li fait ou pas ka avancer dans mon Dieu. N'a dit toute parole sa yo pour ta aider ou. Reprends nous. Parce que tout le monde est là dans le sommeil, parce que l'église est dans le sommeil. Mais il y a toute une série de plans. Avant, je me dis démoniaque, puis je me dis diabolique. Qui paraît pour quelqu'un en sommeiller.
endormi. Quittez-moi le verset ça que m'a cité là. Le Matthieu 24 là. Car dans les jours qui précèdent le déluge. Délivre c'est ça avant de m'a brûlé dans le matin. Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. En d'autres termes, ils étaient très occupés. Verset 38, Matthieu 24, 38. En d'autres termes, ils étaient très occupés. Ils ont mangé, marié petit yo. Yo même de yo t'a marié, occupé dans les choses naturelles, les vanités de ce monde. Manger important. Boire important. Marier important. Mais c'est dans le naturel. L'arrivée dans une phase, bagage ça occupe plus espace que normal. Living préoccupé. Verset 39, mais t'as qui est intéressé maintenant? Il ne se doutait de pas grand avec tes nuits. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta. C'est ça qui va de rivaux comme état. On perd du sensibilité ou tellement occupé dans les choses naturelles de la vie. Ou bien les choses charnelles, puisque y a deux niveaux. Il n'y a pas inquiété pour rien. Ce n'est pas inquiétude. Crainte, là, m'a parlé là, non, mais. Ça ne va pas dire rien encore. Il y a seulement à prendre plaisir dans la vie. Il y a un propre besoin veillé. Pour un peuple spirituel, pour un monde spirituel, il n'y a pas qu'à toi marrer avec les choses de la vie. Faut vivre d'une façon qui est isolée. Ou bien, on ne peut pas attacher avec vous, servir avec vous, mais on ne peut pas en Dieu vous. Quel que soit ça lié, quel que soit le monde lié. Ça, c'est un secret que lui. Et quand on a un bagage, ce n'est pas l'idée de changer tout. Et quand on a un piège, quand on a des gens qui n'ont pas assez mangé pour le manger, je vais expliquer ça vendredi soir là. Il est tellement occupé dans chercher à manger, il n'a pas de temps pour rien encore. Ça, c'est un piège lié. Il va même au moins manger pour le manger. Quand on a l'autre, littéralement et gagner comme la préoccuper l'esprit li. Et gagner trop et là ça. Il y a trop de bagages à la faire, il est trop occupé. Donc, pauvreté ou richesse capable qu'un beau trop occupé. Et tout de temps, ça est capable de faire que vous n'avez pas dans la vie éternelle. Parce que vous avez tout de créer souci. Que vous voulez ou non, que vous avez un petit corps, vous n'avez pas de personne là riche à l'extrême. Mais qu'on ne va pas gagner du tout, pas quitter l'état où il est à préoccuper l'esprit. Mais ça doit arriver où, dans mon Dieu. Tu aimerais le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, dans toute ta vie. Quel que soit ça lié à. Moi, quand tu comme dans mon chemin, je vais louer mon Dieu avec tout cœur. Je ne vais pas gagner même tout, je vais louer mon Dieu avec tout cœur. Mais recevoir qui choye, m'a loué mon Dieu avec tout cœur.
m'a recevoir un rien tout m'a loué mon Dieu avec tout cœur. Le Seigneur va décider ça va faire avec moi. Le moins va fidèle. Moi va gagner standard que bon Dieu m'a demandé à dans la richesse ou dans la pauvreté, le Seigneur va juger qui ça va mériter. Le ça m'a mettre tête en position, rien dans monde ça pas car la avec moi. M'a prêté vivant pour me paraître debout devant le trône de Dieu. Pas bon Dieu, vous avez besoin vivant dans l'esprit. Non, non, mon. Vous avez besoin rendu vivant quant à l'esprit pour les choses de Dieu. Maladie, c'est glisser, glisser, entrer dans le corps. Il glisse. Vous parlez de la vente. Allez, la vente. On se nous dégaine dans l'assemblée ici qui mourit qu'on y est là. Mais son monde qui a grand pile courage, car cité non, c'était sœur Jean-Raymond. Sœur Jean-Raymond était comme malade. L'a joué dans fanfare. Il est malade. L'a loué, bon Dieu. Il n'est pas bon. Mais il est là jusqu'à ce que le Seigneur guérisse. Il faut confronter le problème. Ce n'est pas là, pour laguer le problème, non. C'est pour apprendre à confronter le problème. Ça demande du courage. Mais il faut apprendre ça. Il faut apprendre à camper solide avec la force de Dieu, avec le courage céleste pour confronter une situation dans la vie. Et puis confronter jusqu'à ce qu'on gagne la victoire. Le Seigneur va en faire avec lâche. Les incrédules. On va pas le confronter problème avec violence. On va le confronter là avec injustice pour faire n'importe qui ça dans la vie. Au contraire, on va confronter là avec justice, c'est plus difficile. Mais c'est pour apprendre à confronter les choses avec la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au campé, bon docteur dit au pape vive. Pas un prend parole, le docteur a dit, je vais mourir, ou commencer à ranger les affaires, ou faire 5 heures pour vous, mettez sous Galata. Elle prend assurance, caille, et salon funèbre, pour commencer par la timounio, ranger la mort, et pas ça vous fait. Alors, parce que le docteur a parlé, ou même ou tout mourir. Si le docteur a dit ça, ouais. Mais nous avons guérisseur par excellence et guéril, guérir. Ou bien vous campez en face maladie, en face son senti, dans l'esprit. Pour dire, il y a un Dieu qui est le Jéhovah Rofeka. C'est le Dieu qui guérit. Vous levez main vers le ciel avec la vie, mon Dieu. Rempli avec la puissance du Saint-Esprit. Remplis-le avec la foi dans mon Dieu. Vous levez main en vous dit Seigneur. Docteur dit je ne peux pas vivre. Moi, je veux voir mon élément. Je ne peux pas sentir moi-même une force. Mais moi, je connais un bagaille. Où sont guérisseurs par excellence. Guéris comme moi je dis. Guéris même moi. Pas la guébaille. Kembe. Est-ce qu'on a des instructions? Pas la guerre, ça pour faire? Dans le nom de. Bagay ça met en pile pression sur le monde. Les soucis de la vie. Pas qui te rentre dans la mort. Quitte la vie, bon Dieu, passez pour remonter. La puissance du péché, son gros puissance que lié. Nous disons que puissance parce que le terrain c'est charnel. Même vous connaissez que le Seigneur a l'autre puissance qui est plus élevée que la puissance du péché. Ou la puissance de la mort. Là où est force la mort. Pour l'âme, l'esprit du péché a enveloppé l'esprit au monde.
Li mette nan nature toute sensation du péché. Et puis li travaille dans le raisonnement. Faut que c'est ça pour faire. Par la convoitise de la chair. Certaines fois par la convoitise des yeux. Li dou faut que c'est ça pour faire. Si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas faire. Et puis comment c'est personne ne parle pas. Moun c'est un esclavage de Kembe. Ou pas jamais un sourire là. Qu'on réveille dans l'esprit ou dans la conscience spirituelle pour qu'on ne pense pas comme ça les choses. Ou vous confronter l'esprit ça. Ou vous confronter force ça avec la force d'en haut. Pour faire ça, bon Dieu te dit à Caïn, si le péché se couche à ta porte, toi, domine sur lui. Gain force ou gain envie, c'est servir ou pas servir avec eux, parce qu'on pas cultiver. Et pour lever, camper, pas qu'ils t'ont entré dans tout l'amour avec le péché. Commettre le péché, faire, entrer là-dedans, par les tentations ou par les convoitises. Oh non, et pas ça vous fait. Pendant de l'eau passer descendre avec tout vieux poisson qui mourit, le monde pour aller vers la mer morte. Le monde religieux, toi, fait même bagarre avec toi. Le pouvoir civil et le pouvoir religieux, plein avec saleté, joudée à descendre. Il est un fleuve dont les cours réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire est demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Mais déclaration PAM. Et je prie ni pour moi ni pour l'église dans ce sens. Ministère, bon Dieu, dans le sens qui général, aidez-nous prier tout. Peuple, bon Dieu, priez pour une autre. Mais déclaration PAM. Yon moun vle descendre dans la mort après fin gen instruction spirituelle, fin gen encouragement yo, ne pa gen grand chose que nous ka faire dans ça parce que c'est volonté ou c'est conviction. Mais tout moun qui vle monter montagne Sion, on nous aller. Gen provision pour ça. Gen assez force pour ça. Dans un monde, il fait pile pression sur nous. Manquer l'argent, manquer possibilité, manquer quelque force. En mettant le monde qui râle ou descend par raisonnement. Mais qu'aimé au nom de Jésus. Parce que vous êtes la lumière du monde. Mais vous reconnaissez que la vie éternelle, c'est là la parée. Ce n'est pas l'épouse vine pour aller courir presser mettre à dessous. Oh non. Lors pour Matthieu 25, comment on dit ça? Les vierges folles et les vierges sages. Les vierges folles, la Bible dit, elles s'endormaient. Parce que elles étaient folles, elles étaient insensées. Mon ministère que j'étais actuellement. Il faut venir dans le monde religieux, il faut venir dans le corps de Christ. Mais ils ont quitté les soucis de la vie, l'orgueil, les choses terrestres, charnelles, qui te dit diabolique, quelquefois démoniaque. Fait influence sur eux, vaincre, mais ils descendent. Ils ont quitté au provoqué au sommeil. Ils ont quitté à l'éticras, paticras. Ils ont descendu. Ils ont descendu, mais ils ont quitté au. Et après, si y a une satisfaction dans mon ça, je regrette ça pour ne pas avoir une satisfaction absolue dans mon ça. Bon ça, bon, ti satisfaction sou commence pour commencer. Après ça, la menove la plus grande déception qui existe. Finalement, la mort dans l'âme, la mort dans le corps physique. Li pa menon aucun côté encore. Ou ka pa l'importance, mais son bon Dieu a fait là dans mitan peuple, dans ministère. Li, c'est la chose la plus importante, la plus loyale, la plus élevée que tout le monde n'aurait jamais connu. Réveille-toi, toi qui dors. Si tes richesses naturelles à Kimbo occupé trop, ou en danger. La parole de Dieu besoin, joigne envers. Merci Seigneur. Prenez garde à vous-même. En d'autres termes, prends précaution. Son précaution liée. De crainte que vos cœurs ne s'apaisent. Vos cœurs ou intelligence. Par les excès du manger et du boire.
dans les choses naturelles, par météo, dans le sommeil. Et par les soucis de la vie. Amen. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. À l'improviste. Vous te connaissez, oui, mais vous ne pouvez pas occuper trop de ça. Les plaisirs de la vie, plaisirs naturels et charnels, ils mènent tomber dans le sommeil. Verset 35. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. De toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Mais, précaution. Hein. Veillez donc. Ça ne dit veillez de signifie encore. Où est-il que encore? Force Dieu aurait été dans le télescope prophétique, bon Dieu. Pour regarder qui le fait. Veillez donc et priez en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Tendez bien, oui, qui j'entends dire. Pour qu'avine gain force pour échapper. Lorsque vous venez dans une phase où vous avez une victoire là, c'est échapper ou échapper. C'est échapper ou échapper. Dans même dans toute situation ça. Et mon verset là, je vais lire là avant peut-être me dire deux l'autre comme fini. Ça finit là. C'est sauver ou sauver du monde. Pas terme dans c'est échapper ou échapper du monde parce que pression monde est tellement fort, pas de monde qui vit sous la terre pour pression ça par force ou. Li fort dans intelligence ou développé. Tradition les hommes, moun kapin parle en pile, ça moun vle. Ça la loi dit, la loi naturelle, la loi dans le monde. Les hommes qui mettent en condition, côté qu'on obligé de passer dans la zone, même l'on pas doué passer là-dedans, yon mouton c'est l'avantage là. Tout ça mette pression sur vous. L'on vle réduire, yon mouton c'est la seule façon pour gagner un petit cob. C'est la seule façon pour vivre une petite façon. Qui pibe ou moins. Lorsque là, c'est échapper ou échapper. Quittez-moi un verset avant dans Proverbe 5. La main de l'oiseleur. L'oiseleur sont. C'est en principe. Un petit cage. Quelquefois c'est moun nié, mais. C'est un petit cage qui fait pour qu'il y ait des oiseaux. Alors. Quelquefois c'est. Jean yo kembo là dans piège ou tombé là c'est lui même qui l'oiseleur là que c'est moun qui kembo ak men que c'est cage que yo kembo en bas on dit il est dans petit cabane qui ça pour faire dégage toi est-ce que ça a bien passé qui ça me pour faire pas guité sommeil prend pas guité assoupissement là avant mais qui ça pour faire. Ah ouais, le péché veut venir entrer dans la vie ou dégager ou sortir. Pas quitter l'envie ou néo, j'en dap l'île non. Hébreux 12, là l'autre jour, verset 1er. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, projetons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. Qui ça vous fait? Qui ça vous fait? Puisque le péché a qu'à envelopper aussi facilement, mais qui ça vous fait? Dégagez-vous. Dans l'autre bois, il dit, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est. L'homme est maladie à venir pour ne pas la guébali. L'homme est sommé à venir pour ne pas coucher pour le prendre. L'homme a perdu activité spirituelle ou vigilance ou non, bon Dieu. Diligence côté dans la dimension spirituelle là. Pas quitter la laveur. Dégage-toi. Chaque monde qui vous dégage, j'en parle. Avec intelligence que bon Dieu va où. Mais grand bagaille, pas mourir. Dans l'amour, biche. Maintenant, va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Ça, c'est lorsque moun pa gen pour courir derrière pour faire effort. Ils ont tout à fait de courir derrière pour grandir.
Là, ça ressemble à bouc. Ou pas brebis. Brebis, c'est suivre les subverger. À bouc, là, c'est traîner. Au moins, on t'a traîné dans un petit temps jusqu'à ce qu'on prenne vision. Mais ce n'est pas jamais qu'on prenne vision. On a un problème. C'est ça, Salomon a pensé là. La pensée, il y a une disposition qui vient dans son cœur. Ou même, ce n'est pas monde qui fort, qui a poussé ou aller, ou bien qui traîne, mais on recevra vision ou même pour dégager ou retirer le corps dans la mort. Pendant que je dis ça, je me suis dit, Brother Martin, Elvin l'a dit, et y a la gombou et non plus. Est-ce que vous songez ça? Et puis, qui meilleure façon de songer de sortir dans la prière? Et puis, il a blagué, t'es sous lit. Qui ça pour le faire? L'autre jour, je me rencontrais dans la convention, je me dis, we are still shaking up. C'est le corps. Et puis, lorsque le corps, poussière était lagué sous pour. Entrez là, vous s'y passé qui bon. Est-ce que vous aimez ça? Et mais qui ça vous fait? Et mais ceux qui sont morts en bas, il y a plein de vous acter. T'as l'air perdu la vie, ou a perdu le souffle. Oh, que le Seigneur aide au matin. Mais ça fout en fait. Elle prépare. En été, sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. C'est de la diligence, ça. Paresseux jusqu'à quand seras-tu couché? À l'aise sous cabane. Vous savez, cabane t'a parlé? Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un. Et la disette comme un homme en âme. On a toujours été là. On ne va jamais à aucun côté. Proverbe 19, verset 15. On nous lit ça rapide. On l'autre dans 20, 13 encore. Qui ça le dit? 19, 15, oui. Paresse, on peut expliquer comme ça. Ce n'est pas un état dans lui-même. Vous suivez, oui. Paresse, c'est l'on perd du intérêt dans un bagage. Debout, on perd du intérêt dans un bagage ou on ne fait pas reçu la donne. On a regardé quelques monde qui semblait paresseux parce qu'il n'a pas intérêt dans un bagage. Dans un autre bagage, il a intérêt. Ou pas écoute paresse la fait. C'est une question d'intérêt. Et ça fait si on a volé l'intérêt dans mon Dieu, a volé pensée ou intelligence ou mettez sur l'autre bagage, veillez. Gardez ouais. Ou te convient l'église à l'heure ou vient l'église en retard. Ou bien on te convient ou pas venir encore. Comment c'est perdu une ou bien deux services. Ou dès qu'on a une étude ou pas là encore, son petit bagage qui a installé, ou commencez à désactiver dans bon Dieu. Ou dès qu'on prie pour quoi, pas prier pour lui. Ou dès qu'on servir bon Dieu, pas servir encore, ou à désactiver. Ou dès qu'on remplit avec la puissance du Saint-Esprit, avec l'évidence des langues, il y a mis quelques temps, le bagage ça n'a pas fait encore. Ou perdu activité spirituelle ça. Ou pour aller, ou à glisser, descendre. Vous venez fidèle de l'assemblée des justes. Pendant que vous descendez, la maladie apprend. L'autre force a commencé à travailler dans la vie. Pas oublier ça. Depuis le système ou baissé, force maladie a entré. Et c'est la mort qui est tout. Parce que depuis la maladie, la mort. C'est ça même la maladie a annoncé, la mort. Pas une maladie qui n'a pas tué. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. Le beau est où? Nonchalant. Ou pas gagner énergie. Non, bon Dieu. Ou a vini commencer grand goût spirituellement. Et debout, ou pas manger ou pas mourir.
Manger à l'âme, on ne peut pas manger. N'importe qui est-ce qui joue manger, pas qu'à manger son monde malade. Manger à devant, pas qu'à longer mon pour prendre. Vous mettez le nom pour pousser le sous-côté. Ou malade. Donc, chita dans l'assemblée du Seigneur. Ou chita à la table. La parole de Dieu avance. Ou pas qu'à manger, ou pas qu'à mettre main pour manger. Le mettez le nom pour ou malade. L'en mort à marchandé. C'est pour faire ça, somme 23 dia. C'est pour chita sous table. Que le Seigneur range pour devant tout l'ennemi ou yo. C'est pour l'ennemi ou bo table à manger. Pas oublier, puis grand l'ennemi ou non sans dan lié. L'idéal, mais l'endan, sans dan lié. C'est maladie avec l'amour qui envahit vie ou qui empêche ou manger le pain de la parole, le pain de la vérité, le pain de vie, le pain qui donne la vie qui saute d'en haut. Jésus dit, je suis le pain de vie. Si quelqu'un mange de ce pain, il aura la vie et la vie éternelle, la vie en abondance. L'homme qui fait un pas à manger le pain de vie, c'est pour moi qui s'allie. Oh, c'est pour mal devant le Seigneur avec instance. Pour le Seigneur, bon moi qui problème moi gagne. Si mon bagage qui fait un bagage grand goût pour la parole, mon bagage qui fait un bagage soif l'esprit de Dieu, mon bagage qui fait un perdu sur prière, ouais. C'est vous mal devant le Seigneur pour dire Seigneur, si vous êtes malade, guéris mon nom, ouais. Soit m'a descendu vers la mort, pas quitter me descendre dans le séjour de mort, mais allez monter. Soit une situation, Seigneur, qui est même prisonnier. Oh, dans les chaînes des ténèbres, dans l'esclavage des rudiments du monde. Seigneur, pas qu'il t'aime descendre en bas, allez monter père. Quel que soit salié à Seigneur, qui fait un bagage fidèle à vous-même, qui fait un bagage qui est standard, non, qui fait un bagage qui est la vie ou non, qui fait la parole de Dieu, bagage une stop en vie, ouais. Allez, Seigneur, pas qu'il t'aime aller dans le séjour de mort. Et on a prié à ça dans le cœur, vous laissez à toucher vie, moi. Je vais tolérer ma descente. Je vais aller ma descente, même quitter ma lé. On a courage pour me kembe, moi. Quel que soit sa lié. Quel que soit dans la zone côté mienne. Quel que soit la zone de richesse que je vais exposer à lui-même. Quel que soit la bénédiction naturelle. Bon Dieu, t'as pas moi. Quand soit ministère que le Seigneur est avant moi, quand soit salié, quand soit étape que je suis arrivé dans la phase, dans quel que soit salié, Seigneur va quitter me priver de vie. Quand soit pays d'aller. Parce que le monde mène à la déception. Maintenant, je suis venu pour me dire, dégagez-vous. C'est urgent ça, je me sens. Ça, je suis venu. Quand ça me sentit pour me dire, dégagez-vous. Pas qu'il était l'homme enveloppé, mais dégagez-vous. Bon façon pour sortir dans la zone, pour monter plus haut. Dégagez-vous. Oh, alléluia. Alléluia. N'aime pas le sommeil. N'aime pas le sommeil. De peur que tu ne deviennes, pauvre. Tu ne deviennes pauvre. Ouvre tes yeux. Ah, Proverbe 23 là, n'aime pas le sommeil. De peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux. Tu seras rassasié de peur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Spirituellement. Si je manque contre qui j'ai pour me faire, je vais le demander contre qui j'ai pour me faire. Quelle que soit la méthode diabolique là, qui est bien dans la mort, il est mal. Mais ouvre tes yeux. Dégage-toi. Secoue-toi. Sauti dans la mort. Voisin tout bon là dans la mort. Ou pour aller mon là, ou pour aller mon là, ou bon là. Ou va mourir. Et moi, je mourir actuellement. Quand arrivons au côté, pas qu'à monter encore. Mais que le Seigneur pas quitte arriver là matin. Là, dans le Proverbe 23,
En un verset 19 et 20, 21. 19. Écoute mon fils. Écoute mon fils. Et sois sage. Et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Parle dans le monde qui prend plaisir. Parmi ceux qui les buveurs de vin. Ce sont ceux qui adorent le dieu Bacchus. Ils prennent plaisir dans le vin. Il y a un monde qui affiche les plaisirs de ce monde. Même si on ne prend pas du vin naturel qu'on boit, mais c'est du vin qu'on boit. J'ai dit ça déjà. Le vin représente le plaisir. Il faut plaisir de la vie, les choses. Voilà, avec eux. Parfait, ça. Ouvre tes yeux. C'est plus spirituellement réveillé. C'est pour conscience ouvrir, réveiller dans mon Dieu. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Parmi ceux qui font excès de viande. Qui font excès de viande. Excès de viande. On va peut-être expliquer ça, mais son excès pour satisfaire de l'appétit. Car l'ivrogne est celui qui se livre. Tendez bien, oui. Mais raisonnement qui vient après ça. Car l'ivrogne. Et celui qui se livre à des excès s'appauvrit. S'appauvrit, pas vrai? S'appauvrit. Ouvine, pauvre. Debout livré, instinct, l'esprit, au plaisir, à l'excès du plaisir charnel. Et à l'excès, en fait, du plaisir naturel et à l'excès du charnel, faut dire ça, eh bien, on va venir pauvre spirituellement. Et éventuellement, on va venir pauvre naturellement. Parce que toute pauvreté spirituelle mène à la mort. Et on ne va pas aucun côté. Et l'assoupissement fait porter des haillons. De pourquoi ou gain assoupissement dans la vie. On laisse rien ou à mettre sous. C'est proverbe qui dit, c'est pas moi qui dis. Lors arrivé dans une phase comme ça, on pas qu'à mettre des œuvres de justice sous. À son vêtement blanc. Qui est vêtement de justice là. On va mettre les résultats de la mort. J'ai bagage charnel, on va marcher avec vous. Le péché fait honte. Oh, pas plutôt le Seigneur t'a aidé nous, camper plus haut. Oh Seigneur. J'aime finir là. Si le Seigneur t'a aidé dans l'arrangement spirituel ça. T'as kembe vision bien haut. Pas quitter un rien kembe haut. Marré dans la terre où t'as béni. Second petit job, travail là dans le fond petit cop pour vivre. Viens chercher la vie dans la maison, bon Dieu. Ou un petit business, travail là dans le bois soit fond petit cop pour vivre. Le grand enseignement, la parole avec l'esprit de Dieu travail. Que l'église. Que l'église. Là, qui veut pour fermer un bac là ou bien fermer une porte là, fermez-ni. Faut qu'il y ait courage pour faire tout. Si on va fermer une petite compromission, je vais prendre deux trois clients là. Quand on va la veille, quand on va la petite cop client pour le bawa, le Seigneur a gardé. Si on va faire business, pas faire business. Mais pour faire business, il faut qu'il y ait courage. Li mal pour gagner service dans l'assemblée. Bon Dieu a béni avec enseignement l'esprit, le peuple a adoré. Même si on lève un bac sur elle. Ou bien un bac salier. On sac dans bac pour là. Une boîte. Une chambre. On pas mettre le Seigneur avant ça. Et si on ne va pas convertir, il est même qu'à prendre dans mes mains. Personne ne m'a dit Jean. Tu as dit en créole là. Mais comme ça, le Seigneur y est. On ne va pas empêcher aux fidèles avec lui, retirer le bourreau, soit fidèle ou même. Parce que le pire est que le bac là. On ne parle avec combien de mêmes, je parle avec lui. Et puis, il y a un petit coffre dans le menu, il n'y a pas de grand pile, non? Il y a un petit commerce.
Il dit, pasteur, je ne vais pas venir dans le service. Yo, Dieu me dit qui ça que Dieu a. Il dit, bah, yo, Dieu transmet tout là, viens louer bon Dieu dans Dieu. Il dit, ah ouais. Il va occuper. On joue petit comme la paix. Il vient à l'eau dans le divan, petit comme la paix. Il dit, bon, bah, moi, il est doux. Bien, vous dites qu'on l'a perdu, va moins. Va moins. Bon, bien aimé qui perdu ville, qu'on y est là, je regrette pour me dire ça. Des grandes maisons d'affaires, me dit mon fils, fais mes maisons d'affaires, on n'a pas besoin de maisons d'affaires dans le Christ. On va pas pédé. Prends pas un intérêt, me dit, fais même. Il dit oui parce que m'a fait mes nuits. Il dit fait mes nuits. Fait mes nuits. Mais le pape n'a service pour la semaine. Parce que toujours avait pour venir planon bagarre pour le font petit corps en plus. Il dit fait mes nuits. Avant le petit temps moi encore me dit fait mes nuits. Il dit bon bon connait m'a tendre font petit bail, m'a fait mes nuits quand même. Malheureusement, la maison d'affaires est tuée. Il mourit la dame. Ça a fait mal en pile. La jambe prend rien, mais t'es plus haut que le Seigneur. Même mon gars à l'école. Si nous prenons éducation, nous nous mettons plus haut que le Seigneur. Le Seigneur n'est pas d'accord avec ça. Le pays d'Haïti n'a pas grand pile job. Son pays très difficile pour vivre là-dedans. Et pas au-dessus tout. Remets mon Dieu plus que toute bagaille qui existe dans le monde. Ce n'est pas dans l'école seulement. Bien-aimé. Je dis au bien-aimé, pourquoi tu es fidèle? Je ne sais pas où encore. Il dit, petit petit là, oui. Je dis, quand tu es marié, après ça, tu es petit petit là,